Watazamaji wapenzi wa Moto TV, ni kipindi chenyu kipendelevu cha Moto Zik Gospel, kipindi ambacho kinapokea wa artiste musicien ama makoral ama wote ambao wanamchezea na kumwimbia Bwana, wana evangeliser kupitia nyimbo za Mungu. Aujourd'hui vraiment vous êtes je sais que vous êtes vous avez honoré le rendez-vous et je suis sûr que vous êtes encore nombreux à suivre cette émission. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à présenter dans cette émission? Nous avons eu à choisir les chœurs Jésus Miséricordieux, un chœur qui évolue à Ville de Butembo, un chœur qui a livré concert ce dimanche. Il y a eu Mepita, n'a pas choisi ma dimanche, le 28, et à moins que je ne m'abuse. En fait, balikuwa mkoser yei naitwa koser de resilience. Na hiyo koser walitangaza amani kupitia nyimbo za Mungu. Mwa hii koser walivangelize vraiment watu wengi ambao walikuwa pale kupitia nyimbo za Mungu. Na hiyo siku ilikuwa siku yenye vraiment c'était du boom à la salle Sipa et à la salle plutôt je peux retirer à la salle Maria Mama, je peux dire à la salle Reine de la Paix. Na umu njo mwenye wali expose matala di mbali mbali zenye zili onesha ke vraiment izo besoin d'évangéliser la paix, izo besoin ke Nord Kivu retrouve la paix. Kwavo le fait que tunapenda amani ku mu pays yetu ama mu est, pour eux na espérance aussi, c'est pourquoi wali espérance aussi et naomba aussi inakuwa aussi quelque chose de concret dans nos lieux kwenye tunaishi, partout où nous passons nos journées. Na mwa hii siku waliweza kuimba nyimbo za mingi ambazo zinaonesha ke amani vraiment c'est quelque chose qui est vraiment urgent mon pays et tout na mu Nord Kivu, je peux dire même à Butembo. Nina pasho sema ile siku ni siku yenye watu wengi walipenda kufurahi, waliweza kufurahi na walifurahia comment hawa watoto wa Jésus Miséricordieux wanajikomporte. Bila kupoteza muda, je crois que tutaweza kusavure aussi, tutaweza kuona comment ces gens se sont débrouillés et comment ces gens ont fait pour que wengine nabo waweze kubambwate le pas, kama muko groupe choral, kama muko cœur, kama muko watu gani, mweze kuona comment ça s'était passé. We'll be right back.
Ah, c'est vraiment, c'était vraiment encore, je peux le dire, c'était bien. Je ne juge pas. Même vous avez savouré, mais on a comment ça s'était passé ces jours-là. Et tout le monde qui était là, vraiment, Altoka Koule, Asha Ona, comment la paix, c'est vraiment une affaire de tous, pas une affaire de certaines personnes, bien l'affaire des politiciens, l'affaire de qui. Mais dans cette émission, comprenez que nous avons aussi besoin de cette paix et nous avons aussi besoin de voir les gens qui s'assimilisent pour que la paix revienne dans nos régions, même dans nos lieux de service, dans des lieux où chacun passe la journée. On ne peut pas oublier tout le monde qui, même donc dans les lieux les plus reculés du pays. Et c'était vraiment une façon pour eux d'évangéliser la paix. Habakusahaou aussi, le fait que même si la paix inakua, la paix inakua comme si inakua goum pour revenir, mais il faut aussi une résilience. Je peux dire que les gens doivent aussi avoir de l'espérance que la paix doit revenir. Allons-y, voyons encore comment ils ont pu réaliser d'autres choses pour que la paix revienne. Environ 200 garçons venaient pour la paix et c'était vraiment quelque chose. D'autres aussi, d'autres cœurs peuvent imiter. Mais ces 200 garçons, ils sont vraiment au cœur du diocèse de Boutembo-Béni. Et lorsque ils s'appellent Jésus Miséricordieux, ces cœurs, et lorsque Abouana je mettre pour que la paix revienne, ils n'ont pas oublié, je l'ai dit tantôt, que on doit aussi avoir de l'espérance. Donc, on ne doit pas aussi se laisser, même si il y a mani na kwa kugumu pour revenir. Mais faisons aussi nos activités, na tournage, que un jour ça peut être bien. Donc, ne croisons pas les bras, ne devons pas croiser les bras. Soyons plutôt forts et cherchons la paix entre temps, na tout qu'on a fait, na ma activité, et tout. On était na ingine, yenye va na tout produire.
toujours le même jour. Thank you.
C'était vraiment ça l'ambiance de l'évangélisation de la paix à la salle Reine de la paix à Maria Mama. Et ce n'était pas tout parce que les autorités, je peux dire les engagateurs de cette chorale, sont revenus sur l'objectif de l'organisation de cette chorale. Et là, c'était devant maintenant les journalistes. On peut voir qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils ont proposé comme piste de solution ou ce que ces gens projettent pour l'avenir. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Je suis Pandouka Lumba Nelson. Aujourd'hui, vous êtes Jésus Miséricordier de la paroisse basée et à plein concert à Maria Mama Reine de la Paix. Est-ce que vous pouvez nous dire l'intitulé de ce concert? En fait, l'intitulé de ce concert que nous produisons aujourd'hui, c'est le concert de la résilience. Résilience, ça veut dire quoi? Vous pouvez expliquer ça? En fait, après avoir participé à maintes reprises au concert pour la paix, nous avons réfléchi sur quelque chose de résilience pour vouloir dire la résistance. Nous voudrions voir comment, en dépit du contexte que nous traversons, le contexte qui est très particulier, comment nous pouvons encore
vivre avec. Donc c'est pour ça qui nous rassemble tous, ville de Butembo, dans le contexte de vouloir vivre avec tous les intempéries que nous traversons. Résilience pour vous veut dire espoir ou espérance? Espérance, résilience veut dire espoir, résilience veut dire le peu de ressources qui nous reste encore pour faire face. Vous savez de que vous avez l'espoir que la paix reviendra un jour? Justement, comme j'étais en train de le dire, après avoir participé à beaucoup de concerts, avec comme thème concert pour la paix, nous avons choisi la résilience pour que, puisque la paix ne traîne à venir, la paix traîne à venir, alors nous avons voulu les contextes de résilience pour essayer de faire face ou vivre avec quel que soit le contexte que nous traversons. Et alors, comment vous appréciez cette ambiance qui est presque au milieu et qui continue? En tout cas, l'ambiance est au top parce que tout le monde a répondu au rendez-vous. La salle a été pleine. Nous remercions le public de Butembo, les chrétiens catholiques, les choristes, et nous les remercions tous. Est-ce qu'après ce concert, vous promettez un autre prochainement? Après ce concert, nous promettons la scène album. Voilà comment ça s'est passé dans la salle Reine de la Paix, et voilà comment les autorités, je peux dire les engatrer, va Iker, vont nous appuyer, exprimer, vont nous souhaiter que un jour Wanizi Wezaku lance un album. Et justement, c'est avec l'appui de la population de Butembo, population de Butembo, il y a soutenir Isma œuvre, tout ce qui est à soutenir seulement les œuvres de la musique seulement populaire. Il y a aussi les gens qui sont là pour la musique religieuse, ils ont aussi besoin de la paix à travers leur musique. Wanaweza aussi coévangéliser pour la paix. Et on appelle aussi soutien à qui la moutou, à qui la moja la population, il y a Butembo na Kando Kando, je peux dire, nous diocèse il y a Butembo Beni, c'est que le catholique, on a pratiqué dans la paroisse, échelle du paradis, il y a base, nous diocèse de Butembo Beni. Et c'est par là que tu n'as pas le choix à tcha émission et tout, tu n'as pas le choix à maliser émission et tout, parce que tu n'as joué pour télévision wakati ni wakati, et justement la technicien m'a déjà tombé que wakati tu naisha katika yo studio na sita sahau kuambia que wakati unalaga kupita moyo émission on a cliqué kwa ile numéro yenye iko chini ya écran yako, parce que tunajua makeri ni zengi zenye zinapendaka aussi kupita moyo émission, mais peut-être hawana kwenye wataweza kulizia, mais au moins wenye wanafataka wiku naona hiyo numero yenye iko chini ya ekran, chini ya maekran, na kwa kuweza kutafuta kusuivre peut-être ya mingi yenye inapitikana mwa hii emission, unaenda tu YouTube na klike Moto TV UAC, utapata hizo maemission, unaandika Moto Zik Gospel na huko unapata vyote ambavyo vinapita kwa Moto TV na mwa hii emission ya Moto Zik Gospel. Merci beaucoup. Nous rappelons, nous avons été avec les chœurs Jésus Miséricordieux de la paroisse Échelle du Paradis de base. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Au revoir.